Response team. Achevé il y a 3 ans, ce superbe édifice a été construit près d'un volcan endormi. Un volcan endormi? Ne t'en fais pas, il n'a pas été en activité depuis plus de 1000 ans. Sur votre droite, vous pouvez voir un grand espace clos. Ce zoo sous-marin abrite quelques-unes de nos créatures les plus originales. Et par ici, dans ce bassin, se côtoient requins et autres dangereux prédateurs. Par contre, ces magnifiques dauphins sont très gentils et nagent dans ce zoo en toute liberté. Hé, papa, viens voir la morsure dans sa nageoire. Oui, j'ai l'impression qu'il n'a peur de rien. Je crois que je vais lui donner un nom, je vais l'appeler Futé. Regarde, il m'imite, papa. Je vois. Tu sais, Ricky, il y a un programme de natation où les enfants peuvent nager avec les dauphins. Ça peut être intéressant pour toi. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas apprendre à nager. Je n'aime pas l'eau. Non, c'était juste une idée. Allez, viens, il faut rejoindre le groupe. Gardez votre calme, s'il vous plaît. Suivez-moi jusqu'aux ascenseurs. Nous sommes coincés! Vous vous souvenez du volcan endormi près de Submarine Land? Ouais. Il vient de se réveiller. J'ai vérifié la situation, elle n'est pas bonne. Les murs du bâtiment s'écroulent, les ascenseurs ne fonctionnent plus, les touristes sont coincés à l'intérieur. Nous sommes à côté, mais il nous faut du renfort. Nous sommes partis! Rémi et moi, on se charge d'évacuer les touristes. Ariel, occupe-toi de la faune sous-marine. Enregistré. D'après mes données, l'autre ascenseur est inondé. Cette cage est vide. On va l'utiliser pour descendre dans le bâtiment. Bonne idée. Attachons nos corps. Dès qu'on sera en bas, on rapatriera les gens vers cette cage d'ascenseur pour les remonter. Ah! Oh, je crois que je n'ai pas vraiment le pied, marin. Ils sont vers l'autre ascenseur. Allons-y. Ce sont de simples précautions, la procédure habituelle. Pourquoi ça arrive fréquemment? Ce n'est que de l'eau, Ricky. Tout ira bien. Je n'ai pas du tout peur. Je suis juste inquiet pour Futé. Ah, papa! Oh, ah, la température commence à s'élever. Et il est joli, pensionnaire. Aujourd'hui, on a une journée spéciale volcan et la question est, comment vous faire sortir de là? Bonjour. N'ayez crainte, nous venons vous aider. Ah, c'est le ciel qui vous envoie. Restez les uns derrière les autres et suivez-nous. On va vous faire sortir par où on est arrivé. On n'aura pas besoin de nager, n'est-ce pas, monsieur? C'est qu'il a une peur bleue de l'eau. Oui, mais aussi, je m'inquiète pour les dauphins. Tu n'as pas à t'inquiéter. Notre experte et amie des animaux est en train de s'en occuper. Oh. On ne s'en sortira pas. On va isoler ces portes d'ascenseur et trouver une autre sortie avant qu'il ne soit trop tard. Quelle autre sortie? On va la trouver. Ne bouge pas, je vais aider.
Oh, qu'est-ce qu'il y a, Futé? Fini. C'est une fermeture de sécurité automatique. Il va falloir faire preuve d'astuce. On a perdu quelqu'un. Ricky, c'est mon fils. Rémi, sors-les tous d'ici. Je retourne chercher le petit garçon. Il a peur de l'eau. Il ne sait pas nager. Rassurez-vous, on va le faire sortir. On va faire sortir tout le monde. Depuis combien de temps êtes-vous un sauveteur du monde, jeune homme? Assez longtemps. Qu'est-ce qu'il y a, Futé? Qu'est-ce que tu veux? Oh, j'ai compris. Je suis coincé. Oh, génial! La mer est en train de nous engloutir et lui joue à un jeu vidéo. Oh. Bientôt manquer d'air. Je sens que je ne vais pas tenir le coup. Ce n'est pas le moment de craquer. Respirez fort. Oui, c'est ça. Bingo, un conduit d'aération. Il doit mener à la surface et je parie qu'il y a une échelle. Futé, non! Il faut à tout prix que je vous fasse sortir d'ici. De la nourriture pour poissons. Parfait. Ne t'inquiète pas, Ricky. Je suis là et je viens t'aider. Je ne sais pas nager. Je sais, n'aie pas peur. Bobby, arrime le sous-marin en position fixe et crée un moyen d'accès. Enregistré, Billy. Gilles, envoie Nemo dans la zone inondée. J'ai un passager qui a besoin d'un transport spécial. À tes ordres, mon capitaine. Allez, Nemo, va chercher le petit garçon. Sous-marin en place, prêt pour le ramassage, Billy. Ce n'est pas possible. Je craque. Eh bien, moi, je n'ai pas du tout envie de craquer. Et moi non plus. On a réussi. Oui, super. Tiens bon, Ricky. Les secours arrivent tout de suite. Futé, non. Appelez-moi le joueur de Pipo. Oh, j'imagine qu'ils avaient faim et qu'ils étaient pressés de partir. Il s'appelle Nemo. Agrippe-toi à son harnais, il va t'accompagner au sous-marin. Je ne peux pas. J'ai vraiment trop peur de l'eau. Ricky, tu sais ce qu'il y a de bien avec la peur? Rien du tout. Si, tu es plus grand qu'elle. Qu'est-ce que ça veut dire? La peur est en toi, n'est-ce pas? Et toi, tu es plus grand que tout ce qu'il y a en toi. Alors quand tu décideras que tu es le grand chef, la peur s'en ira petit à petit. Je suis plus grand que toi. Si tu as besoin de respirer, tape Nemo sur le côté. Il remontera à la surface, d'accord? Maintenant, je veux que tu prennes une grande bouffée d'air et que tu la gardes. Il n'y a pas de place pour deux. Il faut que tu traverses ce passage tout seul. Tout seul? Mais... Tu peux le faire. Tu es plus grand que ta peur. Oui, tu as raison. Tu as réussi. Bravo. Beau travail. Je suis très...
très très fier de toi, mon grand. Hé, papa, je veux bien apprendre à nager. Surtout avec les dauphins, c'est génial. Bravo, mon grand. C'est parfois difficile d'apprendre une nouvelle discipline. Surtout quand elle se pratique dans un élément qui fait peur, comme l'eau, par exemple. Et quand il se produit une défaillance, c'est épouvantable, la peur retombe. Sauf si on affronte courageusement ses propres frayeurs. Plein de gens ont peur de l'eau avant d'apprendre à nager. Mais il ne faut pas que cela t'arrête. Si tu veux t'amuser à la plage ou sur un bateau, tu dois savoir nager. Cela peut te sauver la vie. Et cela peut même sauver la vie de quelqu'un d'autre. Pensez comme les sauveteurs du monde. Pensez sécurité. Très drôle, Nemo. Très, très, très drôle. Tu allais comme ça, Peter? Tu sais pas qu'on a fait évacuer la ville? J'ai un avion à prendre pour photographier un ouragan. Tu pourras pas voler dans une tempête pareille, ça n'est pas autorisé. Super, ça donnera encore plus de valeur à mes photos. Tu ne bouges pas. Hey! Comment est cet ouragan? Je viens de recevoir le relevé de son niveau. Il va arriver en vue de terre à Cap Trinity dans peu de temps. Je contacte les autorités locales immédiatement pour voir s'ils ont besoin de nous. Hélène, Doug, c'est pas sérieux, vous êtes presque les derniers à quitter la ville. Désolé, chérie, on a mis plus de temps que l'on pensait. Papa, si ça se passe vraiment mal, est-ce que tu vas appeler les sauveteurs du monde? Avec eux, tout le monde sera sain et sauf, c'est sûr. Dis-moi, Doug, j'aurais préféré que tu penses que ton père, le shérif de la ville, est capable de s'en sortir seul. Chapelle Cap Trinity, ici les sauveteurs du monde. Notre datapack annonce l'approche d'un ouragan très violent. Quelle est votre situation? Les sauveteurs du monde! Cool! Doug, s'il te plaît, pas maintenant. Ici le shérif Fred Winslow. Mes hommes et moi-même avons la situation en main. Terminée. Je sais que ce sont tes héros, fiston, mais ils enfilent leurs pantalons une jambe après l'autre, comme moi. Ouais, mais sur leurs pantalons, ils ont des ceintures de secours avec de nombreux gadgets très utiles. Hélène, allez vous mettre à l'abri. Qu'est-ce que tu dis de cela, Billy? Je dis que cet ouragan est plus puissant qu'on ne peut imaginer. Rémi, Ariel, Jules, en route vers Cap Trinity. Enregistré. Système, localise nos spécialistes de l'eau, Gilles et Bobby. Sujet, localisé. Capitaine Cui, la salle des machines est inondée. Sans moteur, on file droit sur les rochers. Non! Prêt à partir. Reçu 5 sur 5. On sera à Cap Trinity dans quelques minutes. Waouh! Est-ce que j'ai des hallucinations ou je vois bien? Yeah! Extraordinaire! Et maintenant, si je pouvais prendre en photo l'œil de l'ouragan, ce serait le jackpot pour moi! Bonjour, ah, vous êtes le shérif Winslow, moi je suis Billy. Je sais parfaitement qui vous êtes. Nous venons de détecter un avion de tourisme en train de voler. D'après nos calculs, il se dirige vers le cœur du cyclone. Vous n'avez pas besoin de faire de grands calculs pour savoir que Peter Slechter est un fou furieux. Nous serions heureux de pouvoir vous aider. Eh bien, puisque vous êtes ici et que vous y tenez, montez dans votre sublimissime engin d'agrément et allez sauver cet imbécile de casse-cou. Mais on y va. Et rappelez-vous, vous êtes sur mon territoire de juridiction. Ce que je dis est loi. En réalité, l'article 342 du Code international de sécurité dit que l'autorité des sauveteurs du monde transcende toute autorité à tout moment. Ou enfin, quelque chose dans ce genre-là. Wendy, Rémi, prenez la navette et rejoignez l'avion. Jules, viens avec moi, nous allons survoler la ville en hélico à la recherche d'éventuelles victimes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bobby, on a un appel de détresse. Mon bateau est en difficulté. Ici le shérif Winslow, je vous envoie mes hommes. Shérif, ici Gilles de l'équipe de sauvetage. Nous les captons sur notre radar, nous pouvons nous en occuper. Tenez bon, capitaine, je suppose que les sauveteurs du monde volent à votre secours. Pourquoi est-ce que papa déteste les sauveteurs du monde? Ton père ne les déteste pas, non. Il sent qu'il peut agir tout seul, il a confiance en lui. Et le fait que tu leur témoignes une telle admiration l'agace sans doute. Maman, attention! Ah!
avion 346, changez de cap et préparez-vous à atterrir. Désolé les amis, j'ai rendez-vous avec l'œil de l'ouragan. Mais je vous remercie d'avoir pensé à moi. Terminé. SOS, SOS! Ma maman et moi sommes sur la route ouest numéro 2. Nous sommes presque passés par-dessus la falaise. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne t'inquiète pas, j'arrive, fiston. Ici Jules Justice, je vous reçois 5 sur 5. Nous venons immédiatement à votre secours. Terminé. Waouh, incroyable! C'est tellement calme. Oh, oh, oh! Son moteur s'est arrêté, allons-y! Donnez-moi la main! Oh. On est coincé! On descend, accroche-toi Rémi. Je ne sais pas combien de temps je vais te tenir sans bouger. Assez pour que je puisse couper le filin et les libérer. Bloquez la passerelle! Deux hommes à la mer! Au secours! Oh, regardez ce qui arrive! Je crois qu'on n'a pas une seconde à perdre! Oh, oh! Imaginez, vous auriez pu être dedans! Hélène! Allez, côté conducteur, moi je vais du côté passager. Sauvé. Dougie! Oh, j'ai les nerfs! J'arrive pas à croire que j'ai fait tout ça pour rien! Oh, pour rien, cela m'étonnerait. Vous aurez sûrement une bonne contravention. Et une suspension de votre licence de pilote pendant un long moment. Vous vous en sortez plutôt bien. Vous auriez pu perdre la vie. Ici, Gilles. Deux hommes sont tombés à la mer. On a besoin d'aide. Reçu 5 sur 5, on arrive. Dougie! J'y vais, ne t'inquiète pas. Non, j'y vais. Écoutez, je me moque du code de sauvetage. C'est mon fils, d'accord? Bon, alors je vais avec vous. On ne sera sûrement pas trop de deux. Ah, eh bien, ne perdons pas de temps. Les voilà! À l'aide! Wendy, agile! Nous nous trouvons juste au-dessus des deux tombés en mer. Prenez-le en premier! Je l'ai! À vous, maintenant! Capitaine! Wendy, agile! Une vague l'a emporté! Je vous envoie sa position. Enregistré, Rémi. Oh, ouais! La victoire est assurée! Est-ce qu'on a sauvé le capitaine? Est-ce qu'on l'a sauvé? On ne laisse jamais personne derrière nous. Il va bien, Bobby. Juste un peu mouillé. Travail, shérif. Oui, je vous remercie et je reconnais que j'avais besoin de vous. J'apprécie votre geste. Oh papa, tu es le meilleur, tu es un vrai héros. Hé hey, Billy, je parie que la prochaine fois vous appellerez mon père pour vous aider. Hein, ça ne m'étonnerait pas. On y va, Dougie. Je suis sûr que ta mère veut t'avoir à elle toute seule. Je crois que j'ai perdu mon plus grand admirateur.
Salut les amis. Quand on a affronté l'ouragan, on était protégés par notre navette de sauvetage. La meilleure chose à faire lorsqu'un cyclone menace, c'est de partir loin et trouver un endroit pour se mettre à l'abri. Si vous ne pouvez pas, cachez-vous dans un sous-sol à distance des fenêtres ou des objets cassants. Et surtout, tenez-vous à l'écart des rivières et des cours d'eau. Une montée rapide des eaux pourrait vous emporter dans le courant. Munissez-vous d'une radio portable et de quelques piles neuves pour écouter les derniers bulletins météo. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, ne prenez jamais de risques inutiles comme Peter. Ça ne sert à rien et cela n'a aucun sens. Dernière nouvelle. À la une du journal local, le shérif Winslow, héros du jour.